qui est venu accompagner l'équipe pour nous souhaiter un bon voyage. Et au nom de la fédération, au nom des joueurs, je tenais vraiment à le remercier de ce geste. Dire aussi, je l'ai déjà fait en conférence de presse la dernière fois vendredi, bien sûr, faire un appel vraiment à tous les Sénégalais partout où ils sont, que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur de ce pays, de se mobiliser derrière cette équipe. On a besoin de leur prière, que de la même façon qu'ils l'ont fait à la dernière CAN, qui est l'union des cœurs, et que les prières vraiment vont à l'endroit des Lions pour qu'on aille justement représenter le Sénégal et le représenter dignement. D'abord, le fait que Air Sénégal soit le transporteur officiel des Lions de la Teranga est une source d'opportunité pour l'image de notre compagnie nationale. Et voir l'encadrement technique, l'ensemble des Lions, l'encadrement et la fédération être transportés par notre compagnie nationale est une grande fierté pour tous les Sénégalais. Et donc aujourd'hui, c'était le lieu de venir, Air Sénégal, qui est un patrimoine national comme l'est l'équipe nationale. Donc c'était normal en tant que ministre en charge des transports aériens de venir ici, dire un au revoir à l'encadrement, les encourager, leur dire une bonne chance en espérant qu'ils vont faire un très bon résultat. Et comme tous les Sénégalais, aujourd'hui c'est une journée de communion avec toute l'équipe nationale, avec les joueurs, avec l'encadrement. Donc il me fallait être là aujourd'hui pour justement matérialiser cette communion avec toute l'équipe nationale en leur souhaitant un bon voyage, en souhaitant également à Air Sénégal d'être vraiment à la hauteur, parce que c'est un patrimoine national, il faut que la compagnie également soit à la hauteur. En termes de quoi donc Air Sénégal compte accompagner les Lions? Donc Air Sénégal est le transporteur officiel donc de tout l'encadrement et de toute l'équipe nationale. Donc tous les l'encadrement technique, la fédération et les Lions vont être transportés à Air Sénégal avec plusieurs vols aller-retour. Donc c'est cela pour le premier tour, et on verra Inch'Allah le deuxième tour également. Nous allons continuer d'accompagner les supporters à aller Inch'Allah quand on sera en quart de finale ou en demi-finale, donc pour aller accompagner les Lions, parce que je suis sûr que ces Lions-là que je vois avec l'équipe, avec Aliou Cissé comme entraîneur, avec lui sa hargne de Lyon, donc il va nous amener pour une première fois en demi-finale au moins de cette Coupe du Monde.